Bonjour tout le monde, on espère que vous allez tous très bien. Anna a quelque chose à vous montrer. Je vous laisse avec Anna. Tu leur expliques? C'est colorié. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Que c'était toi qui l'avais fait toute seule? J'ai colorié tout seul. Oh bah t'étais toute timide là, dis donc. Regarde, et si je fais ça? Là, et tu me montres à moi comme t'as fait. C'est mieux? Tu continues ou tu as fini? C'est pas fini. Tu peux continuer alors. Ah, c'est encore rouge. Ça suffit? Elle a presque pas dépassé. Et elle m'a montré, elle a fait des cœurs aussi. Un cœur là. Ici et ici. Sur sa main, ça fait comme un tatouage. Oui. Elle a presque pas dépassé. Là, nous avons Maya. Coucou. Maya. Maya qui a eu théâtre aujourd'hui et qui s'est régalée encore une fois. Maya, c'est pas grave si c'est colorié. Non. Là. C'est pas grave. Yeah. Donc voilà, donc nous sommes le mercredi, le premier mercredi des vacances. Bah du coup, les premiers jours de vacances se passent plutôt bien. Oui, se passent très bien, on se repose. En même temps, il y a tellement de choses à faire à la maison. Nous arrivons, qui dit Halloween, dit que très bientôt c'est Noël. Dans 2 mois, Anna a 5 ans. C'est bientôt son anniversaire et c'est bientôt Noël. C'est mon anniversaire maintenant. T'es où? Donc ça veut dire que c'est bientôt le moment de faire la liste de Noël. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu nous comment on fonctionne par rapport à ça. En fait, moi je prends en photo, donc en général avec mon téléphone, et je fais un montage photo sur mon PC en fait. Et donc, grâce à Picasa en général, hein, je fais un montage photo et voilà. Et bon, il y a des années où ils écrivent aussi une lettre, mais quand ils étaient petits, je faisais ça. Donc Maya, l'année dernière, elle a encore fait comme ça, les photos. Ben Anna, cette année, je pense qu'elle va faire pareil. Maya, je sais pas si elle voudra écrire, je pense pas. Mais sinon, on met un petit mot derrière où je laisse une petite place. Ça dépend le nombre de cadeaux qu'il y a sur la liste. Mais ouais, en général, ils écrivent derrière, en fait. Et on met dans l'enveloppe et voilà, on envoie au Père Noël. Mais l'année dernière, on les a toutes envoyées, je crois. En tout cas, celle de Maya et de Anna, oui. Et il ne nous a pas répondu, du coup, on n'était pas contente du tout. Ah, ma chérie? J'avais essayé une avec un timbre et une sans timbre. Ben, rien, personne n'a répondu. Hein. Ni Père Noël, ni les lutins, ni les elfes. Pff, que dalle. Voilà, donc je sais pas si on va faire la liste. Aujourd'hui, je vais voir avec elle, mais dans tous les cas, je vous filme ça et on vous montrera tout ça. Je pense que ça va être un petit vlog, hein, aujourd'hui. À moi? Tu voudrais faire ta liste, toi? Oui, maman. Maintenant, maintenant? Oui. On va goûter d'abord? Oui. Et puis après, on fait la liste. Après, se colorier un tout petit peu et après, on fait la liste. D'accord. Fais voir comment tu fais. Oh. Maya, elle a dit oui pour que tu passes? Oui. C'est chouette. Elle a une jolie robe. Hein? Sophie. Et Sophie l'a colorier. D'accord. Mais pas sa tête en plus, elle était ça. Oui. Là, nous avons les catalogues de jeux. Donc, on a la grande récré, casino, géant, Auchan. C'est très sympa, il est interactif en fait avec le téléphone, c'est très rigolo. Et Carrefour. Et moi, à Auchan, j'étais allée en course et regardez, pour 2 euros, j'ai eu ce petit livre d'activité, 200 autocollants et tout, c'est vraiment juste sympa. Anna, elle a un petit peu commencé à faire quelques trucs, mais c'est super. Ouais, il y a des autocollants à la fin, regarde. Du coup, on pourra en mettre sur la liste de Noël. Et j'ai trouvé donc pour 5 euros ce petit livre, Merveilleuse histoire à lire sous la couette.
Franchement, il est très bien fait. Il y a plein d'histoires. Et c'est même, ce sont même des histoires que n'importe quel enfant, même Maya, même avant CE1, CP, pour les premières lectures, ils peuvent le lire parce que les pages, c'est très très court. Il y a énormément d'histoires. Regardez, 1, 2, 3, 4. Voilà. 4 pages, l'histoire est terminée quoi. C'est vraiment court. Une histoire pour un soir, c'est parfait. C'est tout mignon. Vraiment, livre tout mignon. Regardez-moi ça. C'est super bien dessiné. Donc voilà. Voilà, elle a terminé de colorier. C'est joli, hein? Il y en a trouvé. Elle a fait aussi elle. Voilà. T'as fait aller solis ou est terminé en fait? Oui. Maintenant, c'est l'heure de goûter. Non, c'est l'heure de regarder la télé. Non, de goûter. Non, je mangeais maman. De manger maman? Oh là là! Elle a voulu du lait pour le goûter. Tu montes ta jolie moustache. Maya qui vient goûter aussi. Et Laura et Lucas, ben, ils goûteront quand ils auront faim, je crois. Maman. Oui. C'est mieux ce qu'il y a. Tu veux un chocolat chaud aussi? Ouais. Vas-y, tu peux. Tu peux te faire une brioche aussi. Maya, ça sent un peu le cookie. Mais goûte ce que tu veux, Maya. Ce qui te fait envie, tu goûtes. D'accord? En fait, ça ne voulait pas. On ne voulait pas ça. Ah bon, mais vous voyez, au final, elle voulait que du chocolat au lait et puis elle n'avait pas très faim. Bon, c'est pas grave, ma chérie. Comment ça veut? Non, je trouve ça. Tu as pris la bonne décision. Elle est trop belle. La fille Noël maintenant. Et vous manquez cette petite flamme. Ce petit truc en plus qu'on avait. Viens, maman. Moi, je trouve ça. Anna, tout à l'heure. Regardez. C'est elle que je veux. Elle est trop belle. Ouais. Oui, moi aussi. Côté, ben, c'est des petites poupées. Ah, moi aussi. Des petites poupées comme ça. Espérons que demain, les récoltes. Moi, j'aime bien. Léna, elle avait cette petite baguette. Là, il y a Anna sur le renne. Ah oui. Je savais pas qu'elle pouvait monter sur son... Quoi? Ouais. Anna sur le renne. Oh, il y a Olaf. Voilà. Tourne. Okay. Ben, ça, c'est pour bébé. Ok. Ben, là, bébé. Porté. Ladybug. Il y a Ladybug, là. Moi, je trouve ça. Anna, il veut Ladybug qui sort. Pas ça. Tu veux pas ça? En fait, ce sont les ceux qui se mangent sur les chipotes. Et aussi, ce sont les trèfles. Donc voilà, je vous montre. Par exemple, Maya aimerait bien avoir cette super-héroïne. Donc je l'ai pris en photo. Et dans Picasa, je vais recadrer. Et faire un montage photo, tout simplement, avec tout ce qu'il y a. Donc avec ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Aussi, il y a voilà. Ça, c'est les bonbons de Anna. Voilà. Donc, et comment ça se fait que t'en as un autre? Tu viens de les terminer? Oui. T'en reprends pas, hein? Alors là, je peux en prendre, là. Non. C'est les deux que tu m'as pris tout à l'heure. Non, mais où? Et on mange pas que du chocolat, hein, ça nourrit pas le chocolat. C'est juste de la gourmandise. Donc voilà, pareil. Et je vais faire des copier-coller, donc Twister, la Barbie, machin, voilà. Et en haut, je marquerai liste de Noël de Maya. Regardez. Et donc pour Anna, elle aime bien ça, Anna, déjà. Elle est où ta boîte? Ça, c'est Maya qui aime bien.
En fait, ça, ce sont des photos que j'ai prises avec Maya, mais il y a très longtemps. Je ne sais pas, Maya. La... Anna. Lève-toi. Bon, elle est tombée. Ça, c'est le calendrier de l'Avent que j'aimerais bien que Anna ait. Quoi? Plus fort. Le calendrier de l'Avent Barbie, tu sais. Où? Là. Là, si vous voulez ça. Donc voilà, et quand je suis allée dans le magasin la dernière fois avec Maya et Anna, j'avais vu ça. Ça, ça. On... Maman! Ça, j'aime bien, j'ai presque envie de leur prendre moi en fait. Pas forcément attendre que le Père Noël y prenne. Là, je les ai pris en photo et je voulais. Alors, ça, elles aimeraient bien en avoir un. Mais les dessins et la couleur du sac, il est... c'est moche en fait. Elle trouve ça moche, elle. Par exemple, le sac bleu est très joli, mais dessus, c'est la Reine des Neiges. Elles n'aiment pas trop. Et l'autre, il est sympa, mais bon. Alors ça, elle... toutes les deux, elles aimeraient bien voir ce que c'est ça, en fait. De le tester au moins une fois. Et voilà. Donc on va refaire le tour des listes. Encore une tête magnifique. Donc on va refaire le tour des catalogues. Arrête ma chérie, attends. Et moi je vais noter par écrit du coup ce qu'elle veut. D'accord. Quand tu rigoles. Me bave pas dessus avec ton chocolat. Je suis en blanc moi. Vous entendez là tout? C'est pas Jojo. Quand on arrive à 11 ans et demi, et Laura donc à 13 ans, on regarde plus dans les catalogues de jouets pour commander, on regarde sur internet. Parce qu'il n'y a plus rien qui les intéresse sur les catalogues de jouets, voilà. Enfin, il y a des trucs mignons, mais enfin, c'est plus mon âge. Mmh. En fait, je vais jouer un an avec, et ensuite c'est Anna Maya qui vont tout. Un an, un mois, une semaine. Donc voilà, pour l'instant, à quoi ressemble la liste de Lucas? À rien. Je veux ça. Bon voilà, ouais. Et Laura, mais ça ressemble à ça. Panier. Donc une BJD, c'est une poupée avec laquelle on peut pas jouer avec en fait. C'est un truc de collection. Si, mais... Hein? Tu allumes l'eau et tu nettoies? C'est bon. Ça y est? Laisse-le sécher. Ah bah ouais, hein. Il y a Maya qui voulait laver son vélo. Parce qu'elle va en faire demain. Alors que la liste de Maya est comme ça. Et Anna, c'est comme ça, voilà. Mais je pense que j'ai commandé aussi des crayons. C'est des crayons pour customiser mon soleil parce que... Ça pourra servir pour tes ongles. Ouais aussi, mais enfin, surtout en fait pour customiser les Monster High parce que je suis vraiment moche. Maillot de Neymar. Oui, les Monster High c'est moche, tout le monde le sait. Moche, mais moi, je vais les rendre jolis. Lucas, son pied va vraiment mieux. En fait, vous le savez pas parce que Lucas a pas voulu que je vous le dise. Hein. Mais. Maman, ça, c'est le ventre en haut. Bah maman, vas-y, toi, non mais. En fait, j'ai compris. De plus en plus, on devient grand. De plus en plus, on prend moins de choses. On demande moins de choses. C'est oui. Surtout plus cher. Du coup, on peut plus rien prendre. Moi, là, il y a des trucs que j'aimais pas. Alors que c'était... Alors qu'avant, tu aurais aimé ça, t'aurais plu peut-être. Oui. Donc, je vous disais... Non mais Anna, vas-y en haut les chercher. Non, je peux pas aller en haut. Ben, alors, attends que je finisse ma phrase, d'accord? Oui, donc Lucas s'est fêlé l'orteil en fait il y a 10 jours maintenant. Oui. Il s'est fêlé l'orteil en se cognant contre le canapé. Et je sais même plus si on vous l'avait dit, mais là ça va mieux. Il arrive ça va, 70 euros pour un maillot de Neymar. Il arrive à bouger son pied.
Bon bref, Lucas veut une nouvelle console, mais il aura qu'à son anniversaire, du coup, il faut qu'il demande des choses quand même à Noël. Parce que Noël, c'est budget 100 euros, anniversaire, c'est toute la famille qui participe, c'est pas pareil. Sinon, je t'ai dit, on fait anniversaire Noël réuni, mais à ton anniversaire, t'as rien. Vu que tu l'auras déjà eu avant, à Noël. Et donc oui, le pied de Lucas va vraiment mieux et bah, il arrive à le bouger. Moi je trouve que c'est encore enflé. Hein. Pourtant on dirait pas qu'il a faim. Lui, regardez-moi ce bidon. J'arrête à manger. Regardez-les. J'arrête à manger. Ils sont là genre, non mais... Et ils entendent, il a faim. Regarde, c'est pas fait pareil. Elle est pareil. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. C'est bon, vous pouvez les lâcher. C'est bon. Je sais pas comment sont vos chats chez vous, mais nous, chaque fois qu'il y a un truc par terre, ils se posent dessus. Ils posent leur cul sur n'importe quoi, mais ils peuvent pas être sur une place où il y a rien. Je sais même pas ce que c'est. Ah si ! C'est le masque de citrouille. Voilà, donc il a quand même réussi à trouver dans les catalogues de jouets. Bon, c'est pas des jouets, mais bon, c'est pas grave. Il a trouvé deux trucs. Donc c'est déjà cool. Maman, regarde ce que je fais. Oh là là, ben dis donc. Des gâclons. Très joli. Ouais, regardez, il était posé sur la citrouille. Tu veux déjà sortir? Tu nous aimes plus? C'est parce qu'il fait beau, hein? Ah oui, c'est mon chat. C'est un restaurant? Non, pas un restaurant, une école. Ah. Avec du pied du bras. On mange dans l'école? C'est trop cool ça. C'est trop cool. Les listes de Noël donc sont bien commencées, mais pas terminées parce qu'il faut confirmer. Lucas a finalement trouvé des petites choses qu'il aimerait avoir. Laura, je sais pas trop, on verra bien. Mais voilà, donc moi il me reste des choses à confirmer pour Anna, parce qu'elle veut... Voilà, c'est une petite fille de 4 ans et demi, et elle veut plein de choses, c'est normal. En fait, je la laisse mettre ce qu'elle veut, parce que bah, c'est le Père Noël qui va décider. Hein. Donc elle met ce qu'elle aime bien, elle met ce qu'elle veut, et... En général, je demande les 3 cadeaux vraiment qu'elle aimerait avoir. Moi, quand j'étais enfant, j'avais que 3 cadeaux. Enfin, je demandais que 3 cadeaux à Noël. Et voilà, c'est comme ça. J'avais peut-être des trucs en plus, surtout par les grands-parents et tout. Mais voilà, et du coup, je suis restée sur ce truc de... tu me dis les 3 cadeaux que tu veux vraiment. Bon, c'est comme... Enfin, ils en ont plus de 3, hein, mais... Après, Lucas, voilà, ça dépend du prix. Ce qu'il veut, ça coûte cher quand même. Il se peut qu'il en ait que 3. Et Laura, il se peut même qu'elle en ait qu'un seul, en fait. Vu ce qu'elle demande, voilà. Bon, moi, je suis un peu fatiguée déjà. Et j'ai envie de terminer ce vlog. Donc, merci de nous avoir regardés. On espère que vous avez passé une bonne journée. On vous dit à très très bientôt. N'oubliez pas... N'oubliez pas de mettre des pouces bleus et de continuer à nous suivre, de vous abonner si ce n'est pas encore fait.